Le district de Lelato vient d'accueillir une nouvelle grande mosquée dans sa juridiction. Lelato est située dans la sous-préfecture de Miti, préfecture de Dalaba. À 12h50, la localité de Lelato a accueilli la toute première délégation dirigée par le premier imam de la grande mosquée de Faisal, Elhadj Mamadou Saliou Camara. Ainsi que quelques minutes plus tard, l'arrivée de la délégation du gouverneur de la ville de Mamoun, accompagné par le préfet de Dalaba, le sous-préfet de Miti et le maire de la commune rurale de Miti. La cérémonie d'ouverture a été officiée par les autorités invitées et la prière a été dirigée par le premier imam de la grande mosquée de Faisal. Dans son sermon d'ouverture, il a déclaré: be janta inde Allah subhanahu wa ta'ala ko nema molana do Allah kiyen kono ko hondum mi hollata onon julbe fala do aljanna wo fala do yallo e Allah e aljanna makko yo hulmo Allahumma aslih ma fasada min ahwali almuslimin Allahumma aslih ma fasada min ahwali almuslimin Allahumma rudd almuslimina ila kitabihim. Le porte-parole des organisateurs de l'événement a présenté l'historique du district de Lelato. Lelato est un district composé de 5 secteurs qui sont le secteur de Madina, le secteur de Sérima, le secteur de Labiko, le secteur de Boussoura et Lelato Centre. Pour une population estimée à 6350 habitants, le district de Lelato est limité au nord par le district de Djangolou, à l'est par Kollakoué, au sud par Miti Centre et à l'ouest par le district de Djigiwel. Le nom Lelato tire sa source à l'abbé d'où est venu les premiers occupants vers le 16e siècle. Les fondateurs du village Lelato furent Mama Hassana et Mama Sununu. Ainsi, la mosquée dont nous avons l'intime honneur d'inaugurer aujourd'hui a été créée vers 1570. Beaucoup des imams se sont succédés. Le premier fut Tierno Ibrahim Adjogobari. À la création de cette mosquée, elle était construite de terre battue et couverte de paille. Plusieurs années passées, elle fut rénovée et couverte de tôle. Aujourd'hui, elle a été reconstruite avec la contribution de la communauté, estimée à hauteur de 2 150 900 000. L'un des membres fondateurs qui ont participé à la construction de la grande mosquée de Lelato a exprimé sa joie et sa satisfaction. Hello, hello, Komimarikon. Koko info marden kon tawede ka suudu Allah ndum golla gasino udditede Allah tawna otigi fuddode gollu gongol Allah tawna otigi fuddode lannu gongol ndum ko welo welo go sifam wala na enen fuddinde yulirde ko manta sorobe meden fuddi be darninde e hore yangi e hore golle yeddude e hore lakkere mabbe be rewi Allah e yulirde ne haabe fejjini dide welti ko tawata futaki en feewndo meden kon bay futanoogi feewndo mabbe en torki Allah yalla o koden enen kadi bibbe kadi ko lonto e mudum hara de dun do no liboye ko ko buri dun do darnete quoi puisque feewndo me darnata de julirde ko yaagol wano aynde ga bere ko boroya e hudono inne kerke be adda be nyorta be nyappa ha hewti sodugol ledde soda tolu nyappa dun non wada woni duubi buy si dun non bonnita wada beton kise si dun do bonnito ya makadi ko honno wadete andataake si tay woni anna on lutti ha fe on ko honno kadi wadoyte donc en yetti Allah ko Allah tawni en din sans manji fu fe on do meden ide mandi donc en tori ki Allah yo Allah yafo mawbe adinobe didude julirde den ha yogitibe julirde den ha hewti e meden do enen do en fo ya Allah yaforo en sabar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam joga gol julirde ardonde jula e mayre fewja fi mayre ko yoti gonu nundudo puisque ko yawi an
yomi wadu ko wadata ko hina ya wi am yomi juul hara nga juulta hina ya wi am yomi jangu hara jangata hina ya wi am yomi accu ko Allah hadi kon an hara accata donc a andi ko ya wadu ko mi wadata kon ko dum woni wajagol ti juulirde ko mi yeyo siman e fera beton ko don mi hebi espoir seeda fino mi financiera yeru ko mi hebi kon hande na dem mari velo velo tidudo parce que Allah holli men fuddode o holli men rawnode hande hande mede mari velo 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 tidungo e seni bedo haray mi do bi be jarama ko fota wana seeda parce que toni mi weltike ala won haray mi do tori Allah yo be hewti e jam yo be hewti to e jam ah mi do jogi velo velo ji buy Gogo on hande o jamiu do de renouvellation on gasi o udita may hore jammo yere deuxième point o retrouvaille waddo do c'est très important pour moi parce que à cette occasion on don permet men ay andindi gol enen do dido donc welo welo mola nango wondugo importance a ko ben tori be wonbe zero gol o jamiu yo be jogi to mo e hore no moddir e hore no labir e hore nanudiral parce que bijou mola nado won dando e micidi ndengi teddungal donc ko dum men yamiri kambe wombe e jeru de jamiwo à la sortie de la mosquée le gouverneur de la ville de Mamou et sa délégation ont adressé un message à la communauté de l'Elato et de continuer à transmettre le message de rassemblement de quiétude de paix qui dit construction d'une mosquée. L'infrastructure qui réunit les fidèles musulmans, c'est pour encore dire que dans la région, dans le district, l'Elato, sous-préfecture Miti, préfecture de Dalaba, que tout se passe dans les très bonnes conditions. Et la mobilisation des ressources financières, plus de 2 milliards et quelques, ça veut dire que les fidèles, les fils ressortissants résidents se sont mobilisés pour sacrifier les moyens. Et qui donne ses moyens librement est dans l'esprit du CNRD, est dans l'esprit de mobilisation des ressources. C'est ce qu'on appelle développement inclusif. Le représentant du secrétaire général par intérim des affaires religieuses et le maire de Miti sont fiers d'avoir assisté à cette inauguration. On remercie bon Dieu qui nous a permis vraiment de venir assister et de venir vraiment être parmi les musulmans dans l'inauguration de cette belle mosquée. Notre sentiment, c'est la joie et satisfaction, vraiment. Et remerciement pour les populations de l'Eilatou, parce qu'ils ont dépassé plus de 2 milliards et quelques vraiment pour construire une belle mosquée. On ne peut pas construire ça pour s'amuser. Cela veut dire que vraiment l'islam, à l'Eilato, à Dalaba ici, vraiment ça se porte bien. Dieu a dit dans son Coran que les mosquées c'est pour lui. Wa anal masajid lillah. Donc les mosquées, quand on construit pour les dieux. Et tout ce que Dieu veut, c'est ce qu'on fait dans la mosquée. Ce n'est pas un lieu de politique, ce n'est pas un lieu des autres choses, ce que Dieu n'est pas demandé. C'est pourquoi la mosquée, c'est pour former les musulmans, comment faire l'adoration. C'est pour former les jeunes, ceux qui ne connaissent rien dans l'islam. C'est pour véhiculer le message de Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, une telle mosquée qui a coûté 2 milliards et quelques, vraiment, on doit prendre soin pour l'entretien de cette mosquée. Beaucoup de mosquées, après l'inauguration, quelques mois seulement, tu vas voir que vraiment les toilettes sont dégradées, il y a les ampoules qui sont gâtées. Il faut que l'imam fasse bilal dans la mosquée pour réparer ça. Ça, vraiment, on doit changer ça. C'est pourquoi il faut trouver Wakf au nom de la mosquée pour que si il y a besoin, même les imams aussi, ils ont besoin vraiment des assistances. Donc avec Wak, il faut vraiment saper et résoudre tout ça là. Et puis la mosquée aussi, c'est la paix. Il faut vraiment véhiculer les sermons qu'il doit tenir dans la mosquée. Il faut que ce soit des sermons sur la paix, sur la cohésion sociale, sur l'attente, vraiment, pour qu'il n'y aura pas de problèmes. Parce que sans paix, on ne peut rien faire. On n'allait pas venir ici s'il n'y a pas la paix. Mon message, c'est que les mosquées doivent être utilisées parce que c'est une question religieuse. Et c'est la religion qui nous réunit nous tous. Donc c'est la religion qui réunit tout le monde, quoi. Donc nous devons respecter la religion
et c'est un facteur d'unité nationale. Le président de l'association de la jeunesse de l'Elato nous a parlé des dispositions prises pour assurer le bon déroulement de l'événement. On s'est organisé, on a mis en place beaucoup de commissions, notamment la commission d'accueil, la commission d'organisation, la commission sécurité qui a quand même tenu à sécuriser toutes les personnalités que vous avez vues ici aujourd'hui, notamment le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire, le premier imam de la mosquée de Faisal, toutes les personnalités qui ont effectué le déplacement, qui sont venues de tous les districts, de 11 districts, tout ça a été un apport bien évidemment de la jeunesse de l'Elato et qui a tenu quand même à respecter les ordres, les instructions données par les sages. C'est un moment pour nous de féliciter et de remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée et qui a bien travaillé pour que l'Elato soit vraiment aujourd'hui le centre de la Guinée. Tous les regards aujourd'hui sont tournés vers l'Elato avec les médias que vous êtes qui avez voulu effectuer le déplacement. Certains responsables des associations de la préfecture de Dalaba et la sous-préfecture de Miti ont exprimé leur émotion. Ko sadi be seni be do fo toli itande may gouverneur on e préfet on e secrétaire général ben e commissaire be ben e commandant de la gendarmerie on e kala seni ben fi udutugol o jamiu do jama miti on fo e maki ko sadi modon onon jama Dalaba on onon jama mamun on onon jama Pita on, et non, et tini non, et be seni be kawodi, hara be jeaka Dalaba, be jeaka Konakiri do, be tauda fi o, udutugol o jami o meden do. Association de jeunes pour le développement de Dalaba. Ne mojo berdo, e inde azided, hara me weltani ke jama seni be do ben fou, hara ko mojo ber hubindi de, suka be Dalaba ben fou. Ko Elaz Alassane Barry, président des ressortissants de Miti et l'Elato. Alors, ko kambe wadi hande mojobere do sukabe Dalaba be fou moobondiri nokku ngotu glande ma nyande de Sintia le 30 novembre 2013. Je suis tellement ému, tellement en content. Le travail que j'ai vu ici, ça m'a touché et je suis vraiment conforté de joie. Et je félicite aussi par cette occasion les ressortissants de l'Elato, surtout les bailleurs de fonds, à l'occurrence Elaz Alassane, le président des ressortissants de l'Elato, et Elaz Mamadou Dongol, l'un des bailleurs de fonds. Vielti mo yanami vieltani alla vieltani sortissant l'Elato. Duhibe e suddibe fo woni golle Alaji Boubacar Bari golli Mourad Wojuru Alaji Mamad Dongol Alaji Alassane be ngure de fo modi gorko e debbo golli fo be wadi welo welo be weltike menen kadi men defi Mourad Wojuru Allah wel niñede men hebi hobbe be nafori be weltike be wadi du'a men weltike moja. Comme vous pouvez le constater sur ces images, la mosquée de l'Elato a attiré une foule nombreuse, au point qu'il était difficile à accéder. Certains fidèles musulmans ont dû effectuer leurs prières à l'extérieur de la mosquée. Mais beaucoup étaient heureux d'assister à cette inauguration. Je suis très content parce qu'aujourd'hui les gens ont massivement assisté à l'événement pour l'inauguration de notre mosquée, la centrale de l'Elato. Vraiment, les gens ont très bien assisté, vraiment, c'est la joie. Tout le monde est content, tout le monde est venu massivement. Les gens, tous les districts d'ici ont pu répondre à cette inauguration. Vraiment, ça a été reçu quand même. Dalaba, Miti, l'Elato. Mais de Welti, Fota Wona Seda. Mais de Njarni Jamao, Weltani Jamao, Fota Wona Seda. Waudo Hettagol, et Mouawa, les Fono Weltana, Fota Wona Seda. Puisque Jama comme un hiroko, mais si Kano Dundo Heutirana et Nomini, qu'on alhamdulillah et Rabbi Lalamina, mais Weltani que Jama on fop. Mais Weltani que on fop. De Weltani à la Cotani Mendenyala de l'eau. Et quoi, Menin Habino Dundo Kunib. Gila men be mabbe amen wondu de amen fuddire no belugol o jammi do be inna se Allah hollima fuddon de ko tortora Allah holle timmonde Allah hollima no do hande mede welti jamaa seeni ke moja be vraiment tigi arro kadi inna no labaw no weltori golle de
ara men kadi mede welti ko jamo on seni ko mede welti batte golle den ara yalla wada ngen dewe hande mede welti mede mari welo ka berde amen ko modja fota wona seeda mede welti modja no ara kala kadi ardo no weltana mo aral no weltana mede tori alla yo wurtu nawru gol yeso sifa o do dina islam yo bantu fi dina islam on banta fi bibbe julbe be banta fi futa jallo fo kati do en andi alla no yiden en be di weltana de alla yalla do men sifa ngal tumbundra en dor yalla bar jonya kala sene do yalla ko mo bojjere ko dabba e mun ko en dor yalla kadem fati jeji yalla yalla dan den kanzu wala kanzel hala kala sene do yalla wallu men o hewto ya wara jamma jere men filondira yaso mun kadi o wara jamma jere hala me wi kala sene ben me weltani ke be yalla weltani be les ressortissants de l'Elato vivant en Belgique ont été représentés par certains membres. Ay ko babbi ngand tawano e fondugol o jamiido kono Allah wadi be fati haa en tur Allah yaafo be kambe kadi yaafo dabbe yaafa mi haa me weltani ke wonon kadi e wutube men joni men opportunité yewtugol le yewtere do men weltani jama on fu seni be do haa be fu be duana be weltana en tur Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hewtitino en jammo jere o dande accident kala wol haa jama on weltana men sanni on men jarni on okay kono woni kwadi ko tay weltani ke be kambe sonna ben do ibika mosque o fuɗɗa ɗa mine suttiɓe vraiment yiɓe ɓijodirde jama on fituyo fo waw humpitagol ɗum ɗo ko battaba molanaɗo ni iɗen duwa dade contacté mabɓe Belgique hara piiji gon ton enen kadi araɓe wawa e feƴƴinande ɗo par ce que goɗɗo watta goɗɗo portoɓɓe ni wose l'homme qui fait l'homme donc ɓeɗo kadi ara mbiɗo tori hen hendagal contacte mabɓe sembine fi mabɓe Belgique par ce que ɓe darani en gam wadu moƴƴi voilà il est à noter que la cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la joie et dans le partage.